Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau gameplay sur Plague Incorporation Evolved. Donc on va tout simplement se faire un petit script vite fait. Pour ceux qui jouent ou qui ont remarqué, vous pouvez voir qu'il y a de nouvelles maladies, etc. qui viennent d'apparaître. Organes artificiels, origine inconnue, virus congelé, virus Nipah, tout ça c'est nouveau. Et ben, on va tout simplement les jouer très prochainement, bien sûr, parce que virus congelé, virus Nipah sont vraiment des maladies à part entière, ce ne sont pas des scripts, et donc très originaux à jouer, évidemment. Nous, on va tout simplement faire bah, justement un de ces nouveaux scripts, origine inconnue. Tout le monde a un pays préféré, malheureusement, ici vous ne pouvez pas le choisir, vous vous sentez en veine, et ben. Ça veut tout simplement dire qu'on va pas pouvoir nous-mêmes choisir notre location de départ. C'est aussi simple que ça. Mais vous verrez qu'il y a un type de maladie qui va pouvoir nous aider à ce niveau-là. Donc c'est parti, on va tout simplement jouer le fungus. Et oui, grâce à l'émission des spores qu'il peut créer des dizaines de fois, enfin de une bonne quinzaine de fois, pardon, on va pouvoir se propager, même si on nous impose une location de départ, on va pouvoir se propager dans le monde dès les premières minutes. Comment? Vous verrez, bah, c'est tout simplement grâce à ses capacités. En code génétique, je vais prendre des charges de cytochrome pour obtenir plus de points d'ADN en éclatant les bulles oranges. Mimétisme génétique, mon épidémie est plus difficile à soigner. Aquacide augmente les chances de transmission marine. Pourquoi Aquacide? Parce qu'il y a plus de pays qui ont un port que d'aéroports. Donc on aura plus de chances de tomber sur un pays qui a un port qu'un pays ou avec... avec un aéroport, donc voilà. Extrémophile pour donner à mon épidémie un bonus mineur dans chaque environnement et pathostase pour diminuer le coût des compétences et ne pas le faire augmenter, ce qui va nous être bénéfique en début de partie puisqu'on va faire tout l'arbre des émissions de sport dès le début. On va faire tout ça en brutal et non seulement il y a eu des nouveautés au niveau donc de ces fameux scénarios officiels, mais les codes de triche, voilà, ont été modifiés. Vous pouvez maintenant les activer dans n'importe quelle partie à partir de ce petit bouton ici, code de triche. Comme vous pouvez le voir, il y en a des nouveaux qui viennent d'apparaître, ADN recombiné, ADN gagnant, etc. Mais pour ça, vous devez faire toutes les épidémies en méga brutal, toutes. Et il y en a un que j'ai eu gratuitement apparemment, ADN turbo, qui vous permettra de commencer dans une région avec déjà 100% d'infectés. En clair, dans une région avec que des infectés dedans. Et donc extrêmement contagieuse. Donc là, on va prendre rien du tout, évidemment, mais bon, c'était juste pour ça. Et donc, évidemment, dans les modes de jeu. Dans les types d'épidémies à choisir, il n'y a plus les cheats à la fin de la liste. Puisque maintenant, en fait, voilà, c'est vous qui choisissez si vous les voulez ou pas. Mais c'est plus, ça se joue plus à part entière. Donc voilà, on va faire ce fungus donc en brutal et je l'appelle Candy F3. Fungus 3. Ah! On commence en plein milieu de l'Europe, en Europe centrale. Hé. Donc nous, on va laisser passer le temps, question de récolter quelques points pour nos émissions de sport. Vous allez voir, hein, pour ceux qui connaissent pas, ça va être très cheaté. On commence en Europe centrale, pays froid et humide. Donc on va d'abord augmenter la résistance au froid, ce sera préférable. Voilà, on a quelques points. Et voilà, donc les émissions de sport sont ici dans les capacités. On va faire les deux premières, donc vous commencez les deux branches, de toute façon c'est la même chose. Elle va tout simplement nous permettre chacune de nous répandre nos spores pandémiques dans l'air pour infecter un nouveau pays. Et on peut le faire une bonne quinzaine de fois. Et en plus, une fois qu'on aura fait les deux spirales, vous allez voir, ça va faire prendre une forme de spirale. Une fois qu'on aura réussi les deux boucles, hein, dans les deux branches, et ben vous allez voir, on va débloquer les éruptions de spores. Et là, mais c'est un truc de malade, vous aurez de dizaines de nouveaux pays d'un coup infectés en plus, vous allez voir. Voilà, donc là on a infecté l'Arabie Saoudite et également un pays ici, je sais pas lequel, l'Argentine. Voilà, on continue. Émission de sport, allez hop. Ah, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Non, pas l'Afrique du Sud, le Botswana, bon c'est juste à côté. On a eu de la chance pour la Nouvelle-Zélande. Émission de sport, voilà, on continue. La Russie et la Colombie, vous voyez, on s'est déjà propagé sur plusieurs continents, hein. Dès le début, émission de sport, on continue. Madagascar, allez, on continue. L'Égypte et le Pakistan, on continue. Voilà les dernières émissions de sport. Bim, l'Afrique de l'Est et l'Afrique, l'Asie centrale. Ben voilà, on s'est déjà propagé sur tous les continents. On a la Nouvelle-Zélande ici en Océanie, on a l'Argentine et il me semble un autre, oui, la Colombie ici en Amérique. On a la Russie, le Pakistan, l'Asie centrale en Asie, on a l'Égypte, le Botswana en Afrique et Madagascar également, qui est une île parfois difficile à atteindre avec le fungus. Donc voilà,
C'est parti, donc maintenant éruption de sport, vous avez voir le truc que c'est. Et voilà, après faites directement renforcement des sports, comme ça c'est déjà assez fait. En fait, les éruptions de sport vont relâcher d'énormes quantités de spores pandémiques dans l'air et donc vous faire gagner plein de pays infectés d'un coup. Et renforcement des spores, eux vont renforcer vos spores pandémiques afin de survivre indéfiniment dans l'air. Regardez, hein. Bim! Voilà, éruption de spores. Vous pétez toutes les bulles. Moi j'ai mis sur pause, sinon elles disparaîtront. Mais regardez, on a infecté l'Inde, plein de pays d'Europe. On a infecté. Pardon. On a infecté l'Amérique centrale. Plein d'autres pays. J'ai même pas su tout voir. Mais suffit qu'on aille voir à l'échelle mondiale. On peut déjà aller voir. Voilà, on a l'Espagne, j'avais pas. L'Ukraine, j'avais pas. Le Soudan, j'avais pas. L'Indonésie, j'avais pas. L'Inde, j'avais pas. Les Philippines, j'avais pas. Il y en a plein, plein, plein. Le Zimbabwe, j'avais pas. Il y en a plein qui sont devenus infectés. Donc voilà, on peut dire qu'on a gagné une quinzaine de pays infectés en fait. Tout simplement. Et oui. Donc maintenant qu'on a cumulé assez bien de points, on va pouvoir faire R1, R2, O1, O2 directement. Et ensuite, on va se concentrer dans la résistance. On va d'abord faire la résistance au froid, puisque. On vient de commencer dans les pays froids. Et puis les régions encore difficiles à atteindre, c'est le Canada et le Groenland. Le Canada sera normalement le dernier pays. Il va être chiant, puisque c'est très lent, en fait, le Canada, la propagation. Donc voilà. Oh, regardez l'Argentine. Ouf. L'Argentine, regardez l'Asie centrale. Là, on est. Ça démarre en trombe. Je vais directement faire froid 2 juste après. Donc la recherche devrait commencer normalement. Ah bah voilà, le Canada, on l'a infecté par bateau. La recherche va commencer plus ou moins au milieu de la vidéo, au milieu de votre partie. Hop, résistance au froid 2. Et vous verrez qu'elle ira quand même assez vite. Ah, les éruptions qu'une année, les premiers symptômes, vous les supprimez. Déjà pourquoi? Ça vous fera gagner des points. Et en plus, vous ferez pas spotted, puisque si vous laissez un symptôme, le premier symptôme qui mute, si vous le laissez, vous serez spotted. Donc voilà, supprimez-le. C'est un ordre. On continue de se propager dans les pays d'Europe. C'est bien qu'on a infecté déjà le Canada, puisqu'on va pouvoir avoir un petit peu plus le temps de déjà l'infecter. Le Groenland, même si c'est un des derniers qui sera infecté, on va s'y propager assez vite, vous verrez. Voilà, résistance au chaud, ensuite au Médoc, et après on verra. Je crois que j'économiserai. Ouais, c'est bon, c'est fait le Groenland par bateau. Hop, les médocs, maintenant on économise, les amis. Mais on est bien parti. La recherche n'est pas enclenchée, mais elle va vraiment pas tarder, hein. Elle va vraiment, vraiment pas tarder. Je regarde un petit peu les pays ici. Ouais, il reste la Nouvelle-Guinée. Il me semble. Ouais, il reste juste la Nouvelle-Guinée en Océanie. J'espère que ça va pas tarder. L'Amérique du Sud, là, elle est condamnée. Il reste plus que le Brésil et la Colombie, mais ça va aller très très vite. Les États-Unis, ça avance lentement mais sûrement. Oh, le Canada, là, par contre, on a déjà bien avancé. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. L'Afrique, ça se propage. Ah, l'Inde, là, ouais, ça. Ça va très vite. L'Islande, maintenant. C'est bien ça, le Canada. Yes. C'est cool. Voilà, la Nouvelle-Guinée c'est fait. Je viens juste de voir un bateau là qui allait dedans. Les Caraïbes aussi. Voilà, bah, on peut dire qu'on a toutes les îles maintenant, hein. Islande, Groenland, Caraïbes, Madagascar, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Australie. Tout est infecté. Et le Japon aussi, qui est une île. Les kystes, on va encore les supprimer puisque la recherche du remède n'est pas encore enclenchée. Voilà. On est bien parti. Ouais, voilà. Je crois qu'il reste plus beaucoup de pays maintenant. Afrique de l'Ouest, Maroc, Angola, Algérie. Voilà, des pays africains. Les derniers. Bah, finalement, oui. Bah, voilà, on se continue de se propager. Mais je crois, de se propager, pardon. Mais je crois que finalement, ça va être l'Afrique, les derniers à être complètement infectés. Les Marocains, je pense que ce sont les derniers. Espagne et Italie, ça avance. France également. France et Belgique, je tiens à le préciser, puisqu'on est compris dedans, tout comme le Luxembourg. Donc s'il vous plaît. Un petit peu de... Hein? Bon. Les États-Unis, ça va très vite. À partir de quelques centaines de milliers, les États-Unis, là, ça va monter en flèche.
Le Mexique, ça va aller très vite. L'Amérique centrale, c'est lent, mais ça avance. Les Caraïbes, c'est très rapide. Très très rapide. Pour aller un petit peu plus vite, je vais faire la résistance au chaud de... Voilà. Ouais, ça va faire vraiment donner un coup au Mexique, ouais. Parce que c'est un pays chaud, du coup, ça va plus vite. L'Amérique centrale aussi, ça va beaucoup plus vite grâce à la résistance au chaud 2, à mon avis. Et regardez, la recherche est toujours pas enclenchée. Donc, alors, ici, une nouvelle fois, je vais supprimer ça. Donc là, ça me coûte rien. Mais après, par contre, ça va, je vais devoir payer si je veux encore supprimer des symptômes. Voilà, je pense que ben, c'est bon. Tous les pays sont infectés, ouais. Reste plus qu'à attendre. Et après, mes amis, bonjour le massacre. Ça va chier, mais ça va chier. Afrique centrale, ça va très vite. Ouais, bah voilà, il reste plus que des pays chauds. Les États-Unis, voilà, là on n'en parle même plus tellement sur rapide. Ouais, c'est très très rapide. Donc voilà, on est dans les dernières. Pourquoi il reste beaucoup de bleu? Ah ouais, les États-Unis, ouais. Ok, les États-Unis et le ouais, et l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que c'est des pays très peuplés. Du coup, ça prend du temps. Bah voilà, bah je crois qu'il restera plus que l'Afrique de l'Ouest et l'Angola. Et après, normalement, on devrait recevoir le message plus de personnes saines dans le monde. Et alors, on foncera dans les symptômes. Essayer d'atteindre le coma et l'arrêt des organes, parce que le coma va foutre un frein mais incroyable à la recherche. C'est comme la Si vous la faisiez reculer, tellement c'est sévère en fait, je pense. Allez, les Angolais, là, eh. On se dépêche. S'il vous plaît, là. Eh. Allez. Allez. C'est bien. Et voilà, plus de personnes saines dans le monde. Et là, mes amis, il y a là. Voilà. Bon, bah, j'ai à peu près fait tout. Suppression immunitaire, allez, go. De toute façon, on va encore en accumuler maintenant des points. Ah bah, il y a l'insomnie qui vient de muter. Ok. Une nouvelle maladie bénigne se propage. Moi, je suis pas une maladie bénigne, ma gueule. J'ai déjà fait 125 000 morts en 1 heure. Et la recherche a commencé, bien sûr. Puisque, voilà, on a déjà fait 1 million de morts. Ça va pas passer inaperçu. Vous allez pas vous voir, on va pas tarder à atteindre les 100 millions de morts. Et après, ça ne va faire qu'augmenter extrêmement rapidement. Avec les points qu'on va accumuler, on va ralentir et reculer la recherche, puisqu'elle va être assez rapide. Mais bon, normalement, je crois qu'on ne devrait pas dépasser les 30%. Si tout va bien. Voilà, à la limite, moi je continue d'augmenter la sévérité et la létalité, hein, c'est une solution aussi. 1 milliard de morts, mes amis. 1 milliard et demi. Hop, je commence à ralentir la recherche. Mais bon, là, je crois qu'on a gagné. 3 milliards de morts. On la recule. 4 milliards de morts. Et je redonne un petit coup avec une infection systémique. L'hypersensibilité vient de muter. 4 milliards et demi. 5 milliards de morts. Et oui. On a un arbre des capacités bien complet. Hop, rassemble la génétique 2. 26% la recherche elle est. Donc je crois qu'elle devrait pas dépasser les 30%. Milliards et demi de morts. Alors on est dans des derniers millions. Les derniers millions d'infectés. Voilà. Dernière dizaine de millions. Quel bonheur de voir le monde tomber entre les mains de mes champignons. Pardon, dégueulasse, je sais. C'est les champignons, ça. J'en ai bouffé ce matin et. Oh, oh là, j'ai le hockey, génial. J'ai le hockey, j'ai déjà eu le football. Jeu de mots de merde. Bon, j'essaye de faire passer le temps en racontant des trucs, mais bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, on va vite la gagner. Les dernières centaines de milliers d'infectés, comme d'hab. On va vraiment faire un beau score, je crois qu'on va pouvoir faire un
minimum 3 étoiles sur 5. Max. Bon, je crois qu'on va faire un. Ouais, je sais pas, on verra. Peut-être 4 étoiles sur 5, je sais pas, on verra. 29% à la recherche, et je crois qu'elle est finie maintenant, puisque voilà les dernières milliers, dernières centaines. Et voilà! Victoire! Et vous voyez, cet écran de victoire aussi est nouveau, en fait. C'est tout nouveau également. Voilà. Ah oui, juste, qu'est-ce que j'allais dire moi? Sur 5, on est bien sûr en script, du coup voilà, on a fait une étoile sur 3. En brutal quand même, voilà, respect, hein, c'est bien. On peut voir que l'interface de fin de partie a changé également. Il est bien mieux, moi j'aime bien. Enfin voilà, donc on a réussi en 1026 jours, en brutal, avec notre fungus, cette fameuse origine inconnue hein, qui nous imposait donc une location de départ, bah voilà, c'est fait en brutal. On se retrouvera donc très prochainement pour faire les virus congelés, virus Nipah. Je crois que prochain, je vais faire ouais grippe porcine aussi. Ce sont les trois maladies qui me restent à vous présenter maintenant du coup. Les trois maladies nouvelles que je vous ai pas encore présentées. Donc on ira vite fait les faire, peut-être en normal, peut-être en brutal, ça dépend. Faut voir ma stratégie. Voilà, donc on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Ciao, ciao!